et de ses uniformes verts de gris. Hitler a rétabli le service militaire obligatoire, déchiré le traité de Versailles, réarmé la Rhénanie. Il s'en prend à ses voisins et mûrit ce qu'il nomme dans Mein Kampf une explication définitive avec la France. Le 10 mai 1940, Hitler lance son attaque sur la France à travers le Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas. Dans le même temps, ses blindés forcent le passage à travers les Ardennes, un terrain réputé infranchissable aux engins motorisés. Une seule copie de ces images en Agfa Color a pu être sauvée. C'est le premier film de propagande en couleur, allemand, une reconstitution tournée quelques semaines après l'attaque contre la France. Ces images mises en scène par un capitaine de la Wehrmacht étaient destinées aux troupes allemandes. C'est du cinéma au sens propre et figuré. Ces images moins spectaculaires sont en revanche parfaitement authentiques. Elles ont été tournées par des militaires allemands tandis qu'ils progressaient à travers la France en pleine défaite. C'est du 8 mm. Si la qualité est incertaine, le témoignage est infiniment précieux. Pour en comprendre le prix, il faut savoir que toute prise de vue est interdite par les autorités du Reich. Filmer est une activité d'espionnage punie de mort. Image chaotique saisie au vol, par-dessus la portière d'une voiture ou du haut d'un blindé. Les cinéastes amateurs de la Wehrmacht qui transgressent furtivement les interdictions nous ont légué ce témoignage brutal et sans phare de l'effondrement de notre pays. Le 4 juin, le haut commandement allemand proclame « Nous venons de remporter une des plus grandes victoires de l'histoire ». Et Hitler débarque en France. Il est ici filmé par Hans Bauer, son pilote personnel qui vient de le déposer au milieu de ses troupes. Le Führer exulte, sa blitzkrieg est un succès total. Il a eu raison contre ses généraux. Cette attaque foudroyante avec l'appui de l'aviation de Göring a tout emporté sur son passage. Et Hitler vient féliciter son maréchal de l'air. Le Führer ordonne qu'on sonne les cloches pendant 3 jours à travers toute l'Allemagne, au grand enthousiasme des troupes victorieuses. On ignorait jusqu'à une date très récente l'existence de ce film retrouvé chez un officier des services secrets allemands et tourné à l'heure où la Wehrmacht entre dans Paris le 14 juin 1940. La capitale a été déclarée ville ouverte. Le matin même, les Allemands ont hissé le drapeau à croix gammée au sommet du ministère de la Marine, puis sur l'Arc de Triomphe. Autre geste de vainqueur, la place de la Concorde fait office de terrain d'aviation pour l'armée conquérante, sous l'œil incrédule des Parisiens demeurés dans la capitale. Les autres sont quelque part. Immobilisés sur le bord d'une route, désorientés sur les trottoirs de villages abandonnés. Talonnés par l'avance allemande, épouvantés par ce chaos, incrédules, tous partagent la même stupeur. Des réfugiés sans essence croisent des voyageurs sans train. Ils vont n'importe où, l'oreille tendue vers le ciel. Ils vivent dans la hantise des Stuka, qui, toutes sirènes hurlantes, mitraillent les routes.
et ils sont rattrapés par des caméras allemandes insolentes. Les chemins de la défaite ramènent vers le nord une armée de captifs désenchantés qui n'ont pas compris ce qui leur arrivait. Si beaucoup se sont courageusement battus, des centaines de milliers d'hommes ont été capturés sans avoir aperçu un Allemand. Soldats métropolitains et troupes coloniales sont emmenés vers les camps de prisonniers. Ils attendent une libération rapide maintenant que l'armistice a été signé. Des nouvelles rassurantes circulent le long des colonnes. Rares sont ceux qui cherchent à s'évader. Terrible désillusion lorsqu'à la fin de l'été 40, 1,5 million de ces Français se retrouvent enfermés en Allemagne pour la durée de la guerre. Les processions, les défilés laissent apparaître l'ordre social. Les hiérarchies s'affichent, des magistrats aux professeurs, des militaires aux prélats. Rien ne vient rappeler dans ces images la crise qui couve en Europe. Ces hommes et ces femmes ignorent qu'ils sont à 3 mois de la guerre, à 1 an de la défaite. Voici la nuit de Montparnasse, où le tout Paris littéraire et artistique attire des talents venus du monde entier. Picasso, Dali, Miller, Man Ray vont et viennent entre la rotonde et la coupole, entre la fin de la crise et le retour de la guerre mondiale. Dans un climat de grande manœuvre, la crainte et le doute ont fini par s'insinuer. Face à un État totalitaire, que pèse la France républicaine? À droite comme à gauche se manifeste une perte de confiance dans cette démocratie bourgeoise et dans les notables qui la gouvernent. Depuis trop longtemps, les crises sociales succèdent aux crises politiques. Un parfum de décadence flotte sur le régime. Pour se rassurer, les politiques parlent d'une nation de 100 millions d'habitants. La France se sent protégée par son empire colonial et sa puissante armée. Mais qui croit encore à l'efficacité de la cavalerie? L'armée française s'appuie sur une doctrine défensive périmée, une grande illusion, se battre en paix à l'abri de la ligne Maginot. Tandis que s'achève le festival d'art allemand, le ballet diplomatique se prépare dans la coulisse à mettre un point final à ces 20 années de paix. Dans un mois, la signature du pacte germano-soviétique laissera les mains libres à Hitler. En clôture du festival, le Führer a commandé une parade de 3 heures. Toute l'histoire allemande mise au service du Troisième Reich. À commencer par celle du grand ancêtre, le Saint-Empire romain germanique. Hitler aime à répéter que depuis Charlemagne, il est le seul à avoir réuni dans sa main un pouvoir illimité.
principe de la communauté. Article 1. L'homme tient de la nature ses droits fondamentaux, mais ils ne lui sont garantis que par les communautés qui l'entourent, la famille qui l'élève, les professions qui le nourrissent, la nation qui le protège. Article 2. Reconnaître à l'homme des droits sans lui imposer des devoirs, c'est le corrompre. Lui imposer des devoirs sans lui reconnaître des droits, c'est l'avilir. Article 3. La liberté et la justice sont des conquêtes. Elles ne se maintiennent que par les vertus qui les ont engendrées. Le travail et le courage, la discipline et l'obéissance aux lois. Article 4. Les citoyens doivent travailler à rendre la société toujours meilleure. Ils ne doivent pas s'indigner que soit encore imparfaite. Article 5. L'esprit de revendication retarde les progrès que l'esprit de collaboration réalise. Article 6. Tout citoyen qui cherche son bien propre, hors de l'intérêt commun, va contre la raison et contre son intérêt même. Article 7. Les citoyens doivent à la patrie leur travail, leurs ressources et leur vie même. Aucune conviction politique, aucune préférence doctrinale ne les dispense de ses obligations. Article 8. Toute communauté requiert un chef. Tout chef, étant responsable, doit être honoré et servi. Il n'est plus digne d'être un chef dès qu'il devient oppresseur. Article 9. L'État a pour fin la sécurité, le bonheur et la prospérité de la nation. Il doit aux criminels le châtiment, à l'innocent la protection, à tous la souveraineté des lois. Ses hauts devoirs définissent sa mission. Il ne l'accomplit qu'en exerçant l'autorité dans la justice. L'État doit être indépendant et fort. Aucun groupement ne peut être toléré, qui oppose les citoyens les uns aux autres, et tente à ruiner l'autorité de l'État. Toute féodalité met en péril l'unité de la nation. L'État se doit de l'appui. Article 11. L'État demande aux citoyens l'égalité des sacrifices. Il leur assure en retour l'égalité des chances. Article 12. L'école est le prolongement de la famille. Elle doit faire comprendre à l'enfant les bienfaits de l'ordre humain qui l'encadre et le soutient. Elle doit le rendre sensible à la beauté, à la grandeur, à la continuité de la patrie. Elle doit lui enseigner le respect des croyances morales et religieuses, en particulier de celles que la France professe depuis les origines de son existence nationale. Article 13. Ni la naissance, ni la fortune ne confèrent le droit au commandement. La vraie hiérarchie est celle du talent et celle du mérite. Article 14. L'économie d'un pays n'est saine que dans la mesure où la prospérité des entreprises privées concourt au bien général de la communauté. Article 15. La fortune n'a pas seulement des droits, elle a aussi des devoirs proportionnés au pouvoir qu'elle confère. Article 16. L'État délègue à ses fonctionnaires une part de son autorité et leur fait confiance pour l'exercer en son nom. Mais pour cette raison même, il punit leur défaillance avec une sévérité exemplaire. Appel du 17 juin 1940.
Français, à l'appel de Monsieur le Président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. Sûr de l'affection de notre admirable armée qui lutte avec un héroïsme digne de ses longues traditions militaires contre un ennemi supérieur en nombre et en armes, sûr que par sa magnifique résistance elle a rempli nos devoirs vis-à-vis de nos alliés, sûr de l'appui des anciens combattants que j'ai eu la fierté de commander, sûr de la confiance du peuple tout entier, je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur. En ces heures douloureuses, je pense aux malheureux réfugiés qui, dans un dénuement extrême, sillonnent nos routes. Je leur exprime ma compassion et ma sollicitude. C'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut tenter de cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec nous, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. Que tous les Français se groupent autour du gouvernement que je préside pendant ces dures épreuves et fassent taire leur angoisse pour n'écouter que leur foi dans le destin de la patrie.
Tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne. Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Ohé, les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Ohé, saboteur, attention à ton fardeau dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Oh, oh,